Bonjour mes confrères, c'est Zef et aujourd'hui on se retrouve pour Star Ocean The Last Hope. J'espère que ce tout premier épisode va vous plaire. Bon visionnage! On va aller rendre la flûte à la gamine. Donc ça c'est fait. Par où je dois partir déjà? Bah je vais aller récupérer. J'ai récupéré le petit truc là-bas. Hop là. Bah alors? Ah! Oui, reculez s'il vous plaît, merci. Alors on va voir. Ah mais ça a déjà... ça a réapparu. On va passer par le village pour couper. Voilà. Par contre, si ça apparaît si vite, j'ai jamais fait gaffe. Ah, un nectar, ça c'est bien. Non mais, c'est bizarre que là, ça réapparaît aussi vite. Sur Eos, ça réapparaît pas aussi vite parce que je me suis quand même promené à gauche, droite, machin et tout, et zéro réapparition, quoi. Alors, on va donner la flûte à la gamine. Si on a de la chance, c'est qu'on récupère assez de nectar et assez de bûches à pouvoir finir les quêtes. Voilà. Ouais, c'est vraiment là à nouveau. Hein. Here we go. Je trouve ça étrange. J'ai pas fait grand chose. Je me suis juste un peu amusé avec les recettes, etc. C'était pas voulu. Là, franchement, c'était vraiment pas voulu. Alors, il y a des champignons savoureux, on sait pas. Est-ce que c'est savoureux ou pas? Par contre, il y en a, ils sont savoureux, là, il y a zéro doute. Et ça, c'est bien. C'est ça. Nectar. Par là. Voilà, allez, encore des bûches, s'il vous plaît. J'ai besoin de bûches. Merci de pas m'avoir donné de bûches. Ouais, j'en ai peut-être 10. Hein. Je sais pas compter, franchement. Je sais que j'en ai reçu 2 quelques fois, mais je sais pas si j'ai eu les 5. Si j'ai déjà eu les 5 ou pas. On verra bien. En tout cas, on récolte tout ce qu'on peut. De toute façon, ils sont au max de leurs compétences, donc je récupère le max de ce que je peux récupérer. D'accord. C'est con que j'ai pas pu améliorer sprint. J'aurais bien voulu courir plus vite, plus loin, plus longtemps. Si par exemple, tu restes appuyé sur carré et il court.
Ça m'étonne que je l'ai pas vu, le celui-là. Ah. Non. 3. À quoi machin là. Voilà. Et voilà le travail. Hop. Des petits XP qui font toujours plaisir. Et ici. Allez, des bûches. Non, pas de bûches, pas de nectar. Ah bah c'est 16 nectars, c'est beaucoup, hein. On se rend pas compte comme ça, mais... Et c'est quand même énorme, hein. Mercure, pierre, cristal... Par contre, les trucs-là, je peux en avoir plus que juste 20. Je peux avoir tout 20, c'est toujours le maximum. C'est quand même nul. C'est vraiment nul à chier en fait. 20. C'est peu. Bûche. Non. Je reçois même pas de nectar en fait. Bah, ça se trouve, je suis à 20 nectars, j'ai pas fait gaffe. Hein. J'allais rassembler ce qu'il y a là-bas. Enfin, rassembler, récolter. Parce que si je suis à 20 hectares, c'est cool parce que je vais pouvoir donner les 16. J'ai plus reçu de bûches, je reçois plus de nectar, donc pour moi, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. On va pouvoir peut-être accomplir les 3 quêtes en même temps. Ça serait... Enfin, les 3 quêtes, les 3... mission, c'est à toi. Voilà, graines d'attaque, des bûches pour le feu. Yes, c'est fait. Voilà, ensuite le mec au nectar. C'était qui? C'était toi le nectar? Non. C'est toi qui voulais des nectars? Non. C'est toi? Non. C'est toi la flûte? Non. Ah non, c'était une petite enfant. C'est toi la flûte? Non. C'est une petite enfant qui était un peu reculée. Ah, ça doit être toi. Voilà. Waouh! 47, c'est énorme. Excellent, donc la flûte c'est fait. Qui voulait... C'est toi qui voulais du nectar? Ah, yes. Eh ben c'est très très bien. Quoi? Ah, le FDP. Et c'était chez qui? Chez eux que j'ai des demandes? J'ai pas fait gaffe si je les ai ou pas. Je vais juste voir. Ah non, ah mais là il faut que je fasse des charlottes. Faut que je fasse deux charlottes. Et excusez-moi. Et là? Ah sinon je retourne au vaisseau, je fais deux charlottes. Lac, j'ai... Ah, j'en ai 4. Ok, il m'en faut plus qu'une. Et un sabre de fer. Ok, donc il faut que je fasse un sabre de fer de Charlotte. Oh, c'est chiant, j'aurais dû retenir ça tout à l'heure. Ou aller voir dans mes quêtes ce que j'ai à faire. Et lui, il n'y a pas de commande à livrer pour... bah, tu dors, d'accord, mais quand même. Bah non. Non, non, bah, si t'as rien à... voilà, quoi. Voilà, je suis là pour faire des quêtes avant tout.
D'accord. Donc, on va... Tu vois, par exemple, là, il n'y a pas eu de respawn. Est-ce que c'est le fait que j'aille dans mon vaisseau? Par contre, j'ai tué des champignons. Il faut des champignons savoureux. On va tuer des champignons. Je crois que j'en avais reçu un. J'en reçois avec des points d'interrogation. Voilà. Basilic Nectar. Ah bah oui, j'en ai donné 16, donc maintenant j'ai de nouveau à en recevoir. Alors, on va tuer tous les champignons qu'on trouve sur notre chemin. Et il faut que je fasse deux charlottes et un sabre de fer. D'accord. Ah, lui, il était lui paralysé. Le mec, il s'est pas battu, il est déjà paralysé. C'est un vrai enfer. Excusez-moi. Par contre, c'est quand même terrible. Ah, mais il est encore paralysé, le con. Il est encore paralysé. Moi, je croyais que ça partait après le combat. Non, mais... Méga soin. Ouais, c'est beaucoup. Mais 64%, 74% quand même. Compétences de terrain. Appétit, c'est quoi? Appétit, il y a une constitution, mais ça, on s'en fout. Surtout ces persos robotiques. Alors là, genre, je me bats pas contre de la robotisation pour l'instant. Toi, t'es full. Toi, t'es fou maintenant. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout pas, mais voilà. Appétit. Ah, toi aussi, t'as appétit. Intéressant. Combo, sprint, voilà la tire. Ça, c'est pour les démons, évidemment. Synthèse. D'accord. Mais, si je vais dans mes objets... Non, mais j'ai déjà reçu des champignons savoureux. Où est-ce qu'ils sont? Trier par terrain d'abord. Et y a pas... Bah, où est-ce qu'ils sont? Ah, bah, je suis con dans nourriture, évidemment. C'est un champignon. Graine d'attaque, volume design qui augmente légèrement la TT. Plus 4 en permanence. C'est vrai que j'en ai reçu. J'en ai reçu pas mal. Qui donne de la permanence. Je les ai jamais utilisés parce que je me dis. Sur qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Looks like the wealthy enough for me to do it.
Je suis contente. Ah, tes lunettes étaient plus droites. Par contre, je me suis battu contre deux champignons tout à l'heure et j'ai reçu trois champignons savoureux. Bon, dont un où on n'était pas sûr. Mais, là, je reçois pas. Vaincre un ennemi seulement par attaque de saut. Oui, je me souvenais de celui-là et je me suis dit, mais je l'ai one-shot. On va faire un petit test. Ah merde, il faut que je fasse tout le tour. Alors déjà... Allez. Il court, il passe sa vie à courir dans les champs de Lémuris. Il court jusqu'à ce qu'il n'en puisse. Il court. Voilà. Donc, on va aller construire ce putain de sabre et cuire des charlottes. On lance l'interface. Créer des objets, cuisine. Je vais faire une charlotte. Ah non, non, je peux pas en faire. D'accord. Je peux pas faire de sabre de fer non plus. Ah, mais ça change tout. Ça change absolument tout. Nous changeons de planète, ah, parce que j'en ai un peu marre de Lémuris. Donc, nous allons sur Rook. Salut Rook. Voilà. J'aurais fait le tour de l'univers. El tornado de l'univers. Bon, là par contre, on va aller plus vite. Hein. On va aller dans la ville, on va regarder si on peut acheter des trucs ou pas. Si on peut rendre des trucs ou pas. Et on se casse. Parce qu'on a quand même un entraînement à faire. Ce n'est pas la bonne porte. Alors, déjà ici, on a un max de trucs à... Alors, je vais quand même récolter un peu. Here we go. Ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas la première... Attends. Rook, c'est là où j'ai rencontré Sarah. C'est là où je me suis battu contre Tamiel. Où je suis revenu avec une sorte de... De lapin sauteur, là. Or, pierre de fond, ouais. 6, bon, c'est déjà mieux. Mais bon, allez, on va quand même pas s'attarder ici. C'est juste très très long à courir à chaque fois. Pour reposer son vaisseau au plus proche des villes. Ou te donner un moyen d'aller en ville directement. J'ai suivi mon instinct et aller par là. Mais bon, des fois, mon instinct pue la merde, alors... Je vais prendre aussi seulement ce que je trouve, hein, ce qui est directement sur mon passage. Les
C'est l'eau, la cascade, elle casse les oreilles quand même. Allez, oh là là. C'est moi ou ça lag? Non, non, je suis pas là. Je suis pas là, c'était une feinte. Bon, on peut considérer que c'est sur mon chemin. Ah tiens, j'ai trouvé une bûche. C'est pas là. Je pouvais plus l'éviter. Excellent. Bon. Alors, par contre, ici, on est d'accord, on n'est pas sur... Allez. Je suis pas sûr qu'on avance plus vite, mais au moins, les ennemis ne nous feront pas chier. Hein? Combien il y a un bonhomme? Ah mince. Ah bah tu seras longtemps déçu parce qu'ils sont tous morts. Voilà, voilà. Alors. Ici on a un vendeur de je sais pas quoi. Est-ce que je peux te livrer? Ah, je peux te livrer des trucs. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as? Ah, tu as de la laque. Fibre de carbone. Non, parce que c'est aussi peut-être en ayant certains objets que je pourrais trouver des recettes. Donc, je fais en sorte d'avoir... d'avoir des objets de tout, quoi. Et recettes, tout ça aussi, c'est... Parce que c'est en ayant l'objet... Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, grand stand jetable pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, reposez-vous et récupérez... Excellent. J'ai des trucs à vendre. Objet utilisable, arme, protection, chaîne, bracelet. Autre objet. Non, j'ai tout gardé. Nickel. Allez. Voilà. Salut. Ah non.
Alors, ici on a. Après, je pourrais en acheter que un aussi. Je sais pas pourquoi j'en achète 5 à chaque fois. C'est vrai. Ah, ça suffit pour connaître l'objet en fait. Je crois que j'en achetais plus qu'un dorénavant. Salut. Alors, t'aurais des trucs intéressants pour moi. Est-ce que je peux. Ah, déjà, je peux te livrer quelque chose, ça fait toujours plaisir. Alors, malus, malus, équipé. Malus. D'accord. Malheureusement, tu ne me sers à rien ici non plus. On désespère pas, hein, on va continuer à chercher un peu. Hein. Ah, il y a un coffre que j'ai pas. D'accord. Alors, mur. Ah non, mauvais bouton. Alors, tu es objet, mur. J'aime bien le bruit. Et voilà. 11. Excellent. Là, on était. Là, on va monter. D'accord, miaou, oui, c'est ça. Ici, on peut rien te livrer. Et ici, on a tout ce que toi tu vends. On l'a au moins en un exemplaire. Salut, tu vends quoi? Tu vends quoi? Tu vends quoi? Ah, excellent. Ah, et en plus, j'ai récupéré tout mon argent. Alors, j'ai pas bracelet de terre et. C'est quoi ça? Immunité de l'état de gel. Mannequin, ça. Je vais prendre ça. C'est jamais. Par contre, j'ai reçu 1400 XP pour deux livraisons. Enfin, c'est pas génial. Génial, mais c'est déjà ça. Ah, là, c'est le mec qui a tous les bouquins de la Terre. Et il n'y a absolument rien que je peux t'acheter. C'est incroyable. Excellent, bon. Ah oui, c'est vrai. C'est pas ici. Où est-ce que c'est pour aller à l'autre ville? Non, c'est pas là. Je crois que ça doit être qui? Ah oui, voilà, c'est toi. Oui, emmène-moi, allez. Vite! Alors, ici, on a de nouveau des marchands à aller visiter. Ah, excellent. Carte d'Astral. Oh, ça peut être intéressant. Mais carte d'astral, ça veut dire quoi? D'accord, j'ai une carte et puis. Ah tiens, il y a un coffre. Basique! Non, je me trompe de bouton de plus en plus souvent, c'est chiant. Vas-y. Ah là.
Il y en avait deux? Je sais plus. Non, il y en avait quatre. Ah, mais je peux en supprimer que un, ça suffit. Excellent. Ok. Non, ici, j'ai pas besoin d'aller voir. Alors là, il y a deux marchands d'objets encore. Ouais. Alors. Fruits su... What? Excellent. Toi, t'as quoi? Ouais. Et rien d'intéressant. Voilà. Ah, par contre, zéro vendeur d'armes. Par contre, j'aurais quand même espéré qu'il y ait un vendeur d'armes ici. Mais bon, il n'y a pas. On a trouvé des trucs sympas. On a eu pas mal de trucs. Il n'y a pas d'autres villes ici. Hein. Il n'y a que... Il n'y avait que ça. Enfin, que ça, c'est déjà ça. Voilà. Astral est à 3. Certainement. Ok. Donc, on est bon pour partir. On est bon pour partir. Voilà. J'ai vu un Conil. Yes. Allez. On retourne sur la hausse. Je peux pas faire d'accélération ultra rapide avec lui. Mais bon, ça nous permettra d'aller vite, enfin vite. Ah là là. Ah, on loupe des coffres, etc. Mais c'est pas trop grave. Et je dois avoir pas mal de PC de groupe maintenant. Ah oui, je peux pas. Je peux pas entrer dans mon inventaire quand je suis sur sur le Conil. C'est pas trop grave. C'est long, c'est très très long, mais c'est peut-être peut-être le défaut quand, on va dire quand tu veux juste aller dans un village et que tu viens pas forcément pour te battre contre les créatures parce que t'en as rien à foutre, que tu veux juste aller acheter des trucs. Je trouve que c'est très très long. Voilà, donc j'ai combien de PC de groupe moi maintenant? Mauvais endroit. 910. Ah ouais, là, on a quand même carburé au niveau des PC de groupe.
On a vraiment pris énormément. Hein. On a vraiment pris énormément, c'est vraiment cool. Maintenant, je sais pas si ça va faire une grosse diff à la base d'avoir 910 PC de groupe. J'ai pas amélioré mon stuff, j'ai juste appris à Sarah deux trois petits trucs. Non, je vais mettre l'amulette de la de mort là sur tout le monde. Maintenant, je la mettrai avant d'entrer en combat. Pas besoin d'avoir ça. Ouais. Allez. Par contre, ce que je peux faire... Voilà. Voilà. Et ensuite... qu'est-ce que je fais? Ah, ok, j'ai compris. Là... Compétences de combat. On va peut-être augmenter ça à 5. En espérant que ça t'aide. Mais toi, attends, parce que... Toi, t'as bonus aussi. Pourtant, t'as vraiment peu d'HP. Ah. Ah oui, je te l'ai jamais vraiment augmenté. Et régénération non plus. Voilà. Allez. Parce que t'avais encore assez de perso pour... Voilà, t'es à 10 000 aussi. Qui sait, peut-être que c'est ça qui fera la diff. Peut-être ça qui fera la diff, le fait qu'elles ont plus d'HP. Elles ont quand même 2500 HP de plus. C'est énorme. Vraiment énorme. Merde, je suis sorti du au mauvais endroit. Je me disais, c'est bizarre, je reconnais pas l'endroit. Parce que je dois passer par ici. Bon. Bien évidemment, hein, maintenant, on bute tout ce qu'on trouve sur le passage. Voilà, 7000 XP, ça a quand même plus de gueule, hein. Parce que quand t'as besoin de 70 milliards d'XP, c'est quand même plutôt sympa de recevoir 7000. Oh ouais, j'ai touché, ça c'était beau ça. Yes. Et voilà. Yeah.
Excellent. Après, 4006, c'est pas... Ah oui, ok. Là, on va te taper toi. Voilà. Bim, bim, bim. Oh, joli. Joli, ça. Ça, c'était beau. Par contre, ouais, c'est quand même pitoyable. Enfin, bon, pitoyable, non, mais si tu fais un combat à 7000 et l'autre 10 000, 3000, c'est la moitié, quoi. C'est terrible. Le pouvoir là, il est trop bien. En vrai, c'est trop cool de voir les flèches comme ça. C'est chiant de sauter tout le temps. Je ferai contre les petits ennemis. That was easier than trying to fly. 5400. Ça c'est bien, 5000 ça va. Au-dessus de 5000 moi ça me va, c'est quand on est en dessous de 5000 je trouve un peu bof. Si t'as besoin de 70 000, après, chaque XP est bonne à prendre, hein, évidemment, mais... Je préfère quand même avoir un max d'XP. Ok, si tu le dis... C'est lui! C'est lui qui m'a eu, bravo, GG à toi. En fait, c'est quand même le système d'aggro du jeu est chiant quand même. Parce que je me dis que. Je me dis que c'est chiant que Sarah se fasse agresser tout le temps. Tu dis ça à chaque fois, ça commence à être lourd, hein. Au bout d'un moment, on a compris. Mais pas encore... Ah non. Ah, déçu. Ah, gars. Ici, c'est revenu. Ici, c'est revenu. Donc c'est peut-être vraiment le fait de partir de la map, d'aller dans l'avion, d'aller acheter des trucs par là avec des gens. Le fait que tu tournes dans la map et que tu tues des monstres, ça compte pas trop. Wow. Tu pourrais Tu pourrais courir toute seule. Tant mieux, je suis content pour toi que tu te trouves utile. Je
J'ai appuyé carré pour courir vite et je me fais rattraper. J'ai le truc derrière moi. Ça c'est beau ça. Excellent. All right, nice job. What do you think? Tout à fait d'accord. Tell me the truth. C'est bien, on est fiers de toi. J'ai monté par là pour aller. Excellent. Encore des abeilles, putain. On n'aime pas les abeilles, hein. Je les aime vraiment pas. Bien. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. It's like I'm a different person now. Bien. Please step back. C'est ça. Argile, ok. Ok. Donc on va monter par là. On va te défoncer toi. Voilà, dégage. Ouais. Bim. Là, hop. Bim. Excellent. Voilà, 6000, ça c'est bon. Niveau 11, ça c'est bien. Faire rompre 144 fois l'ennemi, c'est énorme. On est très fiers d'avoir fait ça. Ok, c'est pas grave. Non, j'ai pas envie de monter jusque là-haut. C'est quand même peut-être un peu trop loin. On va aller surtout là où on a des ennemis. On fera le tour de la récolte plus tard. Bon. Là. J'ai pas été assez rapide. Putain.
Et lui, il est beaucoup trop. Excusez-moi, je m'en vais. Excellent. Mais on est tout le temps en train. Elle est con ou quoi? Elle est tout le temps en train de défoncer des monstres. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, et si on recommencerait de temps en temps? Elle est con. Ah, j'ai besoin de soins. Merci. Ah non. Et voilà le travail. Excellent, 8048, ça c'est bon ça. C'est bon tout ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Excellent. Ce coup était magnifique. Bam, 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 bam. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. 7400, c'est bien. Ah oui. Oui, excellent. Excellentissime. Excellent. Voilà. Ouais, là, c'est vraiment juste parce que j'étais complètement à côté. Parce que je voulais un tout petit peu éviter cet enfoiré de guêpe, là. Mais je suis dedans. L'impression d'avoir des lags de nouveau. Ah bah c'est pas qu'une impression. Ah j'ai horreur de ça. Ok, d'où ça vient? Yeah.
I was just getting warmed up. Bring him on. Ok. Mince. Je suis allé dans le mauvais sens. Bon, je dois aller par là, ensuite par ici. Ah ouais, bon, enfin... Tour un peu bizarre, hein. Ensuite, on défonce ce mec-là. Voilà. Enfoiré. Je suis content que tu sois contente. Vraiment. C'est incroyable. Exactement. Allez. Ah, j'ai pas mis l'équipement. Troisième vague. Quatrième vague. Cinquième vague. Yeah.
Sixième. Merde. Septième. Neuvième. Profiter qu'il n'y ait plus grand monde. Ah, j'ai de nouveau des lags, putain! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des lags? De mon tableau de bonus. Oui! Enfin! Enfin! Enfin, putain!
There's even more, Kay. What's going on? No, 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 no! There's just too many! Every single one, pinpoint precision. What in the world is going on? I don't know. Keep your guard up. Something is coming. More of them? Question. That's an Eldarian ship! Is that the person who just landed all those incredible shots? He didn't even miss a single one! Wow! But who is he? Him. That's... Independent Armored Division. Aramat. Ils ont quand même atterri deux fois. Le mec, il se prend dans, il se croit dans Star Wars. C'est un poil trop long quand même. Wowie, wow. They're so strong, Kay. Yes, I was so surprised I felt like flying away. Not that I actually could. Whoa, they beat them all by themselves.
Mr. Crow, I see you made it to EN2 safely. Thanks for your help on Cardianon, Bacchus. Yo, Edge, Raimi, long time no see, huh? You bastard, I thought you got yourself killed. Crow. Stop! Just stand aside, boy. Unless you have a desire to get caught up in this. Have we met somewhere before? I'm not the type to forget a pretty face. Quel connard. Finally. Finally. I knew staying with the boy was the right choice. I never imagined I'd find you so quickly, my mortal enemy. Stop! This is some kind of misunderstanding! You may have forgotten me, but oh, I remember you. Your face hasn't been out of my mind for even a moment! At last, here and now, my beloved shall be avenged! Muria! Muria? Could it be? Je vais pas avoir des lags maintenant, putain. Bah si. Je comprends pas. Il y a aucune raison de laguer. La Play, elle lag pas. Pourquoi ça lag sur le PC? Moi, je suis désolé. Hein. Je suis désolé pour les lags. Normalement, ça dure pas très très longtemps. Ça fait boum. À quel moment Crow est dans l'histoire ? Tu sais que si tu brises la vitre, tu vas mourir. Elle a cru que c'était lui. Ah, la conne. Mais il a rien à voir dans l'histoire. I'm sorry, Muria. Can you just listen to me for a minute? I have something for you, from Lucien Tianesis. How do you know Lucien's name? We shot the warship down. It's safe. The enemies are gone. You people saved me? Lucien! Lucien left a message before he died. Please, I want you to hear it. Many thanks. What are you saying? Hey! This ship is from Earth.
We're not your enemies. It's all right. I am of the Morphus. My name is Lucien Tienesis. Damn it. I can't understand you. Your ship is finished. You have to get out of there. Brave man. In the hope that my words will someday be passed on, I leave this message with you. I pray that you will one day be able to deliver this, my final message, to her. My beloved wife, Muria. Please, forgive me for sending you into space alone. I didn't have much time left, and it was the only way to protect you. What does that mean? Hey, you all right? Say something! Muria. Hang in there. No, don't die on me! I want you to live. What was that about? The warp accident when we were heading for Eos. When we were thrown out of the wormhole, we sighted a vessel under attack by a Cardianon warship. Once we'd shot down the Cardianon warship, we hailed the crippled vessel and offered to rescue their crew. But, as you just heard, we weren't able to communicate with each other properly. I would hypothesize that when Mr. Lucien's ship was attacked, the waveform generation subsystem of the ship's translator was damaged. So, we were only able to understand the message just now because of these translators? Yeah. I only realized what this message meant myself after I met Bacchus and he let me borrow a translator. Muria Tienesis, I've been searching for you ever since that incident. Finally, I'm able to pass this on, and also, I finally get to apologize. I'm sorry. So sorry I wasn't able to save someone so important to you. Lucia! Lucia! Raimi, I think she needs to be alone right now. Okay.
So, let's just do what we can here. Crow, what's going on? The exploration base on Eos is in ruins. We've got these mysterious enemies called phantoms running around. And now, all of a sudden, you've shown up here. That can't just be coincidence, right? If you're traveling with Bacchus, you must already understand a lot of this. Is it safe for me to make that assumption? I explained the details on the Cardianon mothership. Well, that saves us some time. Oh, I guess you two haven't heard about all this yet. Oh no, please don't concern yourself with me. I don't want to get you all off track. If you could give me a simple explanation later, that'll be just fine. That's fine with me too. I'm kinda like Sarah, not too good with the hard stuff. Me too. But you already know, don't you? I don't want to be left out. Me and Sari and Mary are together, okay? Even for you, Lemuel, that's a little juvenile. You've made some pretty interesting friends, Edge. Yeah. And they've all been a big help. Huh. I see. Mais pourquoi ça lag à nouveau? After leaving the Cardianon mothership, I made contact with the Morphus and learned the entire galaxy is in grave danger. The galaxy's in danger. Huh. Even a little while ago, I probably would have just laughed you off. But not anymore, I take it? Well, we've been through a lot. I can see why you abandoned the SRF's mission of exploration. No, I haven't abandoned it. I just realized there are more important things to be concerned about. My crew understands too. We're in this together. Does this grave danger you speak of have any connection to what happened here on Eos? Indeed it does. Of course, it's not just this planet. You must have seen it on the Cardianon mothership too. Artifacts with the power to transfigure people, even entire planets. The Grigori. The Grigori. I've been all across the galaxy, chasing them down. Then, you're here on Eos because... Yeah, exactly. It's been confirmed there's a Grigori hiding out on Eos. We were dispatched here to destroy it. Of course, it happens to be incidental to an... fragment we collected? It was nothing more than a fragment. I imagine the Grigori itself must be located elsewhere. If only I had deduced this earlier. Hold on. Does that mean the Grigori changed the captain and everyone else into something like the Cardianon? No, that's not it. The Morphus discovered some new facts about the Grigori. The influence of the Grigori on objects around them doesn't stop with aberrant evolution. They absorb information from people, machines, everything. Then they process that information to produce inorganic constructs, replicated ad infinitum. Those phantom ships and soldiers that you fought, that's how they were created. So the Grigori and the Phantoms are linked. Indeed. They absorb information and replicate it? You mean? Afraid so. The exploration base was destroyed by Phantoms. And the original information for those Phantoms came from... the SRF ships that came to Eos and their crews. Their information must have been scanned when they were investigating the Grigori. Damn it!
What the hell are these Grigori? Why would they do something like that? Oh, quelle question conne. I have no idea. But I do know there are steps we have to take to make sure these tragedies aren't repeated. Too many lives were sacrificed. What have I been doing? Why wasn't I with them? Why couldn't I protect them? Tu serais mort comme les autres. Threatened by the Grigori, and I didn't do anything to help. That's right, you're Eldarion. There's something... I will explain. Aramat, are you sure? I am. Aramat, sir. You're with the Eldarion military, correct? Why didn't you protect the facility, sir? The military was in charge of security. There is no more military. What? Actually, there are no more Eldarion organizations of any kind. Our brethren are aboard emigration ships in space. Emigration ships? To where do they emigrate? I didn't think there were any planets ready for colonization yet. What other choice do a homeless vagrant people have? Homeless? Vagrant? What? What are you... What do you mean? What's happened on Eldar? Our home is gone. It's all space dust now. Nothing more, and nothing less. Il a une façon de le dire un peu brute, non? This is a joke, right? Please. Listen up, lad. You need to know what happened. Everything. No. Don't. Don't tell me. I don't want to know. Our sun suddenly turned into a red giant, advancing the day of Eldar's destruction by a century. The decision to evacuate the planet was made. But it was then that the Phantom ships appeared. This was no coincidence. The Phantoms induced our sun to go giant early. They had set a twofold trap to ensure Eldar's destruction. We fought so that as many of our brethren as possible might escape. And yet... scattered, one after another. The last thing I saw was... saved by this man, Crow, and so I'm here today. That's a lie. It has to be. Everything. It's all lies. You must be lying. Keep your head, lad. You may have lost your home, but if you're still an Eldarion, do not lose your pride along with it. FaZe, listen. Your people haven't been destroyed.
As luck would have it, Gagan had returned to Eldar, and he directed an evacuation. What? Commander Gagan is alive? I won't tell you not to grieve for your lost home and comrades, but don't give up. As long as those Eldarians are out there, there are still things you have to do. Yes. I'm all right now. Thank you, Limmel. So, what are you going to do now, Crow? Get rid of the Grigori on this planet, of course. And protect the Eldarian refugee ships. What? My Eldarian brethren are here? Yeah, they're with the Aquila, orbiting Eos. Yes? What? Understood. I'll be back as soon as I can. And tell them to get out of there as fast as possible. Got it? I screwed up. Tubus. Did something happen? That was from the Aquila. Apparently, the refugee fleet is under attack by Phantom ships. What did you say? I'm going back up there to take command. I have to ensure their safety before we can think about the Grigori. Roger that. Crow, you protect the Eldarians. We'll get rid of the Grigori. Edge? The Eldarians absolutely must be protected. But we can't just leave the Grigori here. So, we'll take care of it. You know there's no turning back. I know. I'm prepared. All right. I'll leave it to you. Aramat, go with Edge. You know where the Grigori is too, right? If that is your decision, I have no objections. I guess this is goodbye again. Ah, come on. We have the same objective. We'll see each other soon enough. If you believe in me as much as you say you do, go to EN2. Find out how to save the galaxy. All right. C'est parti. Take care of things down here, Aramat. Right. Hold it. Ils ont vraiment pas le temps. Muria. You're going to help those people? Yeah, I am. So I'm afraid I can't let you kill me yet. It's a fact that I wasn't able to save your husband. You have the right to do whatever you want with me. But for now, I need you to wait. Please. You really are a fool. Huh? Jumping into the jaws of death for people you don't even know? Come now. Only a fool would do such a thing. Muria. Well, it looks like you win, boy. It never had anything to do with winning or losing. I just believed in my friend. Leave the boy and his friends to me. I'll take care of them for you. This is my and Lucien's thanks to you. Thank you. Come on, people. We're moving.
Cette cinématique était très très longue. Please wait. Ah, il va s'en aller. What is it, FaZe? Edge, I have to apologize to you. I promised I'd stay with you no matter what. But hearing about my brethren in crisis, I... Inside, I... Listen to me, FaZe. When that Earth from another dimension was destroyed, I completely lost my way. But you know who it was that helped me find it again? My friends. Edge. So believe me, I know how precious friends are. I'm not going to try to stop you. But... FaZe, don't forget about us. We're here. We're your friends too. Thank you, Edge. So long, FaZe. Be careful out there. We shall meet you and Mr. Crow again on EN2. You better not get lost, okay? Take care of yourself, FaZe. Do your best. Wouldn't want to let Crow upstage you. Lad. This is the Souls. Control unit. Take it with you. I appreciate it. Well then, farewell, everyone. Do you want me to stay with you that badly? Well, if you admit this cloak suits me, I might consider it. Quel connard. But it looks really bad on you, Kay. I'm sorry to hear that, Limmel. Lim. Bon, un jour ou l'autre, va falloir y aller quand même. I will save my brethren. No matter what the cost, even if it means losing my own life. Très bien. Alors, déjà, on va sauvegarder. Donc, soin. Et sauvegarde. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas un grand merci d'être resté jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao!